Bandeko balandi ya lulaka la diaspora congolaise liso ya diaspora congolaise EDTV esika bozwami mbote na bino lelo toyeli bino sango oyo elekaki na poso ya le 7 mars 2015 na mboka ya Liège esika wapi bandeko bakongole bakombatan basanganaki mpona kotambola na ntina ya koboya bongo ma 3e mandat ya Kabila na mboka ya Congo. Na botambo na bango babandaki bongo na gare ya Liège ya munino bayebi na Guimet te na Hôtel de Ville. Kasi nzela nzela bokomona na bilili bandeko bayaki ebele bautaki Hollande, bautaki Allemagne pe na kati na bango bilenge pe bazalaki na kati pe na bana mike tomonaki babimaki ebele bango nyonso bobele slogan moko Kabila dégage, tolingi 3e mandat te, toboyi balikandidasyon na mboka Congo. Bobeye na kati ya kotambola tambola nzela nzela bandeko bazalaki kopesa bongo message na baoyo nyonso bazalaki koleka nzinga nzinga to bazalaki komona bandeko bazalaki kotambola ndakisa ndeko alongo tomeka kolanda esika wapi ya liboso apesaki message na baoyo nyonso bazalaki koleka leka po bayoka tina nini bango bazalaki kotambola tolanda. C'est le message du peuple congolais. Le peuple congolais est meurtri, massacré et affamé alors qu'il appartient à un pays immensément riche, la République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous sommes venus aujourd'hui porter les voix de ce peuple ici à Liège afin que le monde sache que tout va très mal au Congo. Hippolyte Kagame, alias Joseph Kabila, c'est la fin d'un mandat de 5 ans sans la volonté du peuple congolais. Il a triché aux élections pour vaincre novembre 2030. Aujourd'hui, à la tête de la commission électorale, nous avons la même Aloubanou qui a déclenché l'élection en 2010. C'est pour cela que le peuple congolais, comme un serment, dit Aloubanou, dégage Aloubanou, dégage Aloubanou, dégage. Sokaki wana te bandeko bobeli na botamboli bandeko bazalaki kotambola pe koyemba ndenge bamesani mpona kolakisa ke Kabila alongwa na mboka Congo. Kasi esika bakofanda na se tomonaki pe bamindele to bandeko ya bamboka oyo tofandi bango pe bazalaki elongo na bakongole pe EDTV esukaki wana te kamera EDTV emekaki kotuna moko ya bandeko wana makanisi na bango ezali nini esika bazali kotambola na bandeko bakongole tolanda moko ya bandeko ya mboka oyo tofandi moko na bango amekaki pe koloba na kati ya televizio na bino ya EDTV. Bonjour monsieur. Bonjour. Je peux savoir pourquoi vous êtes assis aussi comme les autres? Là, je manifeste avec les autres ici. Et vous savez pourquoi on manifeste ici aujourd'hui? Bah oui, pour Kabila. Pour Kabila. Pourquoi? Son soutien ou quoi? Non, je suis. Et vous connaissez un peu ce qui se passe au Congo quand même? Vous avez un peu d'informations? Un peu. Par rapport à un peu de l'information que tu as, tu trouves que c'est normal que ça se passe comme ça? Oui, après tu vois que c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous êtes au courant aussi que ce sont des Occidentaux qui sont des commanditaires de tout ce qui se passe au Congo à cause de la richesse. Et si c'était vous, quel est le message que vous pouvez envoyer au chef du gouvernement, par exemple belge? On continue à aller de l'avant. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui vous êtes solidaire avec les Congolais? C'est pour ça que vous êtes assis comme comme les autres. Vous êtes de quelle nationalité? Belge. Merci beaucoup. Bele bongo ne tolobaki bandeko batambola kobanda na gare te na Hôtel de Ville ezali pene na kilometre mitano esika wapi bandeko bakendaki kotika memo to message na bango oyo bakomaki na kati ya lokasa epai ya bourgmestre ya mboka ya Liège esika wapi bakutanaki bayambaki bango na representant ya bourgmestre puisque bourgmestre azalaki empêché bayambaki bango na banzi bozali komona na bilili ndenge basalaki beechange ya bamemo na bango pe malobi elobamaki representant ya bourgmestre apesaki eyano alakaki ete oyo bapesi ekokoma na esika esengeli pe bakozwa biyano na bango
kasi soka kwa antena bobimi to kutana kibongo elongo na kamera ya TV na bourgmestre pe kamera ya TV to micro ya TV ekwa kotika boete etuna kimwa mitume mbaya na bourgmestre mboka Liège to landa na bokebi biano ezaleke ya bourgmestre mituna ya TV. En fait, nous sommes ici au niveau de la ville de Liège. Nous sommes évidemment ouverts à la discussion et nous sommes surtout soucieux de nos concitoyens d'origine congolaise. Donc au niveau de la municipalité, c'est comme ça que nous devons travailler. En ce qui concerne la problématique de la politique étrangère et internationale, là c'est le Parti socialiste qui doit se positionner, les différents partis. Donc ici, nous sommes dans un cadre municipal qui est différent. Ouais. Et je veille, avec mes responsabilités de bourgmestre, à faire en sorte que toutes les opinions démocratiques puissent se manifester. Donc c'est important, c'est ce que vous réclamez, c'est la liberté d'expression, et je veille à ce qu'on puisse alors s'exprimer, avoir des opinions du cas échéant divergentes, qui soient respectées et qui soient exprimées. S'il vous plaît, monsieur le bourgmestre, si je peux me permettre par rapport à ce que vous venez de dire. La question n'était pas tant de savoir ce qui se passe ici en Belgique. Et de réponse. Votre position par rapport aux crimes qui se passent au Congo. Je vous donne un exemple. En 19, le 19, le 20, le 21 février, il y a eu janvier, il y a eu une tentative de soulèvement du peuple congolais qui a été réprimée par le sang, par le régime criminel de Kabila que vous connaissez, ou M. Kanembe. Vous êtes un homme politique en Belgique, un homme d'aura, bourgmestre d'une grande ville de Liège. Quelle est votre position par rapport à cet événement? Simplement, même si cela n'engage pas le PS, vous en tant que personne humaine, pour des raisons humaines, par rapport à cette injustice. Personnalité politique. Voilà. Donc ma position est que les manifestations doivent pouvoir s'exprimer, et elles doivent pouvoir le faire dans le calme, de part et d'autre, mais aussi dans le respect de l'expression démocratique. Et je constate que, malgré les difficultés, la République démocratique du Congo s'engage dans un processus qui permet l'expression. Hein, même si nous avons connu des incidents et des accidents et des choses qui sont, d'après ce que vous dites, graves, hein, je constate que le processus, et je l'espère, est un processus qui va permettre à tout un chacun de s'exprimer. Les déclarations de M. Alexandre de Croix, une fois au Congo, ministre de la coopération, qu'est-ce que vous en dites? Lui, pour moi, il a dit des choses. C'est que vous n'osez pas dire, là, parce que vous êtes trop consensuel. Mais moi, demandons une position. Je suis consensuel parce que je suis bourgmestre depuis 15 ans et j'ai cette tendance, cette inclination à rechercher le consensus. Et je pense que c'est important et je crois que, et c'est une forme de réponse, je pense que chaque dirigeant politique serait bien inspiré de chercher le consensus. Je peux répondre à ce qui est ici, dans ce qui est là, to mekaki kotuna ndeko mukadi wazala kibongo dede mukadi wazala kibongo organisateur ya manifestation anana bandeko basu na mboka Liège nini ya malamu bato bazali kozala libanda to bandeko bakongole bazali kozala libanda bakoki ko satendre nango na memo na bango na message na bango oyo utaki pa ya bourgmestre bongo na boki bitulanda oyo ndeko dede mukadi a répondaki na kamera ya ile TV. Bon, mais pas bourgmestre, bah, il y a un représentant, mais na, juste na sortie beaucoup de temps. Alors, on a un message d'espoir. Message d'espoir, d'abord, on a la remercier d'abord le peuple congolais, résistant, combattant, on a un congolais. Pour les gens qui marchent et rassemblement, pour les congolais, et puis ils marchent beaucoup pacifique. On a un peu de temps pour nous donner un ils ont se passé dans le Congo. Il y a un autre qui, comme thème ya marche, tout ça qui n'a pas de troisième mandat pour Kabila et pas, tout, pas de glissement. Tu pourrais dire toute forme de glissement pour permettre à Tchèque d'aller au pouvoir. Mais en tout cas, pour la rencontre, pour la raison, on a question, pour la rencontre, on est très satisfait. D'abord, de façon que Bissibiso, pression, ils allaient persister. D'un côté, Nabango. Et d'un côté, à Parti Socialiste, pour beaucoup, mais ça vice-président du Parti Socialiste et puis Azalaki vice-président du Sénat. Donc, et puis beaucoup met sa ville à Liège, aux Ali, une grande ville où ils ont réuni la communauté ébélée. Donc, princeux, Azalaki, qu'on s'est maintenir. Tout
tous en a promesse, il y a pas à beaucoup mais il y a mémo auto déposé toyeba et le konin ya saleli yango a convoqué biso a bengisa biso pour toyeba quelle a été la démarche faite par le Boukoumès concernant la mémo auto déposé les. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nasuka ya malobande ko de mukadi bande ko bakutana ki ba panzana ki na esengo bazonga ki na ndaku nyoso eleka ki na malamu. Ezala ibongo wa bino agent escadouze maître donant et longo na lesali si surtout ya ndeko na biso riche tempête oyo azali ko pesa biso okazo te bomo na biso na banda ko na bino nde to mekai ko landa milu ya bande ko na kati ya mboka Liège tozali wana pona ko informer bino to kosuka na te nde to kutani mbala sima. Merci beaucoup.